Ça pourrait être plein de choses et pas très sympathique. Ah, arrête. Voici notre billet vers le monde des esprits. Non, j'ai eu assez les chocottes pour cette nuit, c'est clair? Dans ma boule de cristal, je vois un bain chaud. Alors amusez-vous bien. Je suis désolé, c'était délire! Jessica! Oh putain! Oh, c'est pas vrai! Oh, merde! Une personne en particulier retient toute notre attention, mais nous ignorons toute son emploi du temps. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Se pourrait-il qu'il s'y cache? Merde. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Génial. Et pourquoi j'ai atterri dans l'endroit le plus flippant de la Terre ?
Chose. Regarde ça.
Quelqu'un voulait vraiment jeter un œil à l'intérieur.
Ici. Qui aurait souhaité que la presse mette son nez dans ce paradis.
Wow. Wow. C'est ça qu'il leur donnait à manger ? Cet endroit devient de mieux en mieux.
Ok. Une bien séduisante piole de psychopathe. Ah, la réserve à cigares est découverte.
Ça devrait suffire à combler leur faim de loup. C'est ça. Ouais. Gentil toutou. Gentil. Qui a fait ça? Sérieux, il se passe des putains de trucs vraiment étranges ici ce soir.
pas à croire que Josh soit mort. J'arrive pas à croire comment il est mort. Non, enfin, et s'ils avaient tort? Quoi? Peut-être qu'on aurait dû aller à la cabane pour en être sûr. J'en sais rien. Il y a des trucs. Une fois qu'on les a vus, bah, on peut pas les oublier. Ouais, c'est vrai, mais des fois, c'est quand même mieux de vérifier. Je vais les croire sur parole. Peinture et encore fraîche. Casse la porte, tu veux? Attends une minute. Il va nous entendre si on commence à tout casser. Parce que t'as une meilleure idée? Pas là, non. Si. Regarde. Quoi? Une fenêtre. Ah, super, Matt. Je peux à peine faire passer mon baume à lèvres à travers ce trou. Allez, sérieux. Tu passeras jamais par là, mon grand. Ok. C'est parti. Je respire et je vais. Mais mine-toi! Celui qui a eu Chris et Ash et Josh. Il doit savoir que c'est notre seule issue. Oh, dis pas ça. Regarde, le téléphérique est tout là-bas. Bah, c'est... Enfin, c'est pas si loin, si. Tu peux l'atteindre. Je suis doué, Emma. Mais pas tant que ça. Mais merci. Mais Matt, si tu peux pas sauter, comment on va faire? J'en sais rien. Tout a été complètement... bousillé. Je pense qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Quelqu'un voulait vraiment passer cette pièce. Quel bordel! Déjà que ça fonctionnait à peine avant, alors maintenant... Magellan, peut-être qu'il faudrait faire marcher le téléphérique pour continuer, tu crois pas? C'est charmant. C'est flippant. Quelque chose qu'on puisse faire. Je t'écoute.
Regarde ce foutoir. Il doit bien y avoir quelque chose d'utile là-dedans. Super. Pas de clé, pas de téléphérique. Donc, retour à la case départ. Et pourquoi pas la tour de guet, celle qui est sur la carte, là? Bah, c'est peut-être une solution. Oh, peut-être qu'il y a une radio ou quelque chose. Enfin, ce serait logique, non? Sûrement, ouais. Matt, nous devons trouver cette radio. On pourrait utiliser la radio pour appeler à l'aide. Il y a bien quelqu'un qui devrait capter le signal. Ah, bien. Je crois qu'on apprend à jouer selon les règles. Quoi? Mais quelles règles? Règle numéro 1, Émilie a toujours raison. Règle numéro 2, on se fout du reste car Émilie a toujours raison. Ah. Monsieur l'intello. Regarde cette beauté. Toi, tu viens avec moi. Et voilà le travail. Amène-toi. On veut carrément partir d'ici. Ça va? Ouais. Tiens, tu peux peut-être passer devant pour me protéger. Ok. Ok. Tout doucement. Ok. C'est bon. Oh, ok. Presque. Presque. Je me sens pas super bien. Regarde pas en bas. Oh. Ok. Ok. Oh, putain de bordel de merde, on en a fini. Ouais, carrément. Ça marchait pas. Quoi? La radio. Ça va marcher. Mais si ça marche pas, il faut un plan. Peut-être qu'on peut juste descendre. Descendre quoi? La montagne. Oh, arrête tes conneries. C'est quoi le problème? C'est pas comme si elle était suspendue dans les airs. Ouais, et ben ça change rien. On y voit que dalle. Hey, si ça se trouve, on n'aura pas besoin de le faire. Tu crois que le psychopathe va juste lâcher l'affaire et s'enfuir? Non. Mais on devrait peut-être trouver une cachette. S'y planquer et attendre. Ça sera plus facile de tirer cette histoire au clair dans la matinée. Mais on va pas se cacher dans le chalet. C'est là qu'on s'attend à nous trouver.
c'est le portable de Bess. Je croyais que la police avait balayé toute la zone. Bah, ils sont passés à côté. Ouais, Matt, si tu me demandes, j'aimerais autant ne pas passer la nuit à dégringoler d'une falaise jusqu'à ce que j'en crève. Ok. Vraiment? Celui qui a fait ça n'aura pas de cadeau de Noël. Non, sérieux, franchement, c'est pas sympa. Pas sympa du tout. D'accord, c'était très drôle, de regarder Sam se balader en serviette. Mais maintenant, j'aimerais juste vraiment que ça s'arrête, ok ?
C'est bon pour vous? Est-ce que je peux récupérer mes fringues maintenant ou je suis censée passer le reste du week-end en serviette? Eh ben, ce sera la serviette. Ok, si vous essayez de me faire flipper, eh ben, c'est réussi. Thank you.
petit chaton. Viens me voir, petit chaton. Eh bien, rien ne s'est passé comme prévu, j'ai l'impression. Je me trompe? Planifier cette partie avec autant de soin pour se voir contrecarré par ses propres insuffisances au moment décisif. Je vous ai dit que vos actes avaient des conséquences. Croyez-vous que cette erreur n'aura aucune répercussion? Ce que vous faites, ce que vous dites, modifie l'ordre des choses. Oui. Toutes ces heures passées à découvrir l'origine de vos peurs. Et vous vous en servez à tort. Votre peur dévorante de la solitude. Vous en avez fait un outil contre les personnes que vous désirez tourmenter. Cela en valait-il la peine ?